dialed is not in service at this time. Et bienvenue à tous, c'est Juan de The Car Club. Et dans cette vidéo, on est en Alsace, une magnifique région. Donc on a commencé dans le village d'Eggisheim. Et maintenant, on est dans le Haut-Königsberg, où justement, on va aller voir le château du Haut-Königsberg. Donc allez, c'est parti les amis. Ah oui, j'oubliais presque, avant de lancer la vidéo, il faut que je vous parle de ma marque qui s'appelle Pinot. On fait des accessoires comme des casquettes, des sacs, mais aussi des vêtements. Donc allez voir ça, je vous ai mis le lien dans la description. Ça m'aiderait beaucoup si vous me preniez un petit item pour supporter la chaîne. De retour à Belfort, j'ai un rétroviseur, une coque de rétroviseur à faire mettre sur la série 1 et regardez ce qui est à côté de série 1, mais très différente. Celle-là, c'est la 1M. Elle est en noir avec les jantes type CSL et des étriers rouges Brembo. Dire que ça tape dans les 50-60 000 euros. J'avais pas remarqué, mais regardez, c'est des sièges BMW Performance. Et l'intérieur est tout en Alcantara. Petite vue de l'arrière. 4 tuyaux d'échappement. Et donc, moi, je viens mettre sur ma série 1 le dessous de ce rétroviseur qui était frotté depuis la livraison, mais on l'avait pas remarqué. Du coup, on va changer ça. Aujourd'hui, je vais vous parler du X5 parce que c'est une voiture qu'on va avoir bientôt depuis 3 ans. On l'a acheté à un moment où on n'avait plus du tout de voiture et dès que je l'avais repéré, c'était une alternative qui m'avait paru plus appropriée que de reprendre un X3 par exemple. C'est donc un S-Drive 25D qui normalement fait 218 chevaux, mais nous, sur la voiture, on a fait un stage 1 et elle a maintenant 265 chevaux. Comme auraient les versions 30D. Elle garde quand même le 4 cylindres, qui est un peu dommage. Elle aurait pu avoir le 6, ça aurait été un petit peu mieux pour certaines reprises, etc. Mais bon, avec les palettes, ça se gère à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Surtout avec la reprogrammation, elle a donc plus 50 Nm de coupe, ça fait 500 Nm de coupe, ce qui est pas mal. Et on le sent aussi quand on conduit, c'est assez agréable à conduire. Bon, ça reste une grosse voiture où il y a du roulis, etc. Mais on peut faire l'abstraction. C'est donc une X5 qui a le pack M-Technique. M-Technique, c'est plus un terme qu'ils utilisent maintenant. Ou ça dépend aussi des concessions, comment ils le marketent. Mais bref, M-Technique sur cette voiture, c'était une version plutôt bien optionnée. Bon, elle a pas toutes les options, comme il lui manque le toit complètement panoramique et ouvrant. Et le head-up display par exemple, mais elle a la caméra 360 degrés, donc pour se stationner ça c'est super. Elle a une couleur blanc nacré qui s'appelle le mineral white, c'est pas le simple blanc comme on a d'habitude sur les BM, comme moi j'ai sur ma série 1 un blanc alpin, alpine white. Les sièges en cuir alcantara, ça c'est plutôt rare parce que d'habitude c'est tout cuir, là c'est du cuir alcantara, c'est un peu plus sportif. Je vais l'ouvrir. Elle a la télé, etc. On va quand même l'allumer avant. Voilà donc un peu ce que je vous disais en ce qui concerne la caméra 360 degrés. Donc déjà, caméra de recul. Et ensuite, là, vous pouvez voir la voiture. Et c'est super pratique pour se garer. Et donc là, la voiture va avoisiner la marque symbolique des 100 000 km. On a acheté cette X5 quand elle avait
50 000 km tout pile. Là, elle en a presque 92, ce qui fait qu'on a mis 42 000 km quand même sur la voiture depuis qu'on l'a. Ça va faire 3 ans. Et donc, je vais vous parler un petit peu des choses que on doit revoir sur la voiture. Est-ce qu'on va la garder, etc. On va discuter de ça. L'utilisation de cette X5 a beaucoup varié. Au départ, c'était une voiture qu'on utilisait tous les jours. Ensuite, on a eu une petite Toyota à côté et la Toyota était principalement utilisée et celle-là restait garée, était utilisée que les week-ends. Ensuite, elle est repassée en daily jusqu'à ce qu'on déménage en France. Donc, elle a été importée. Elle a pris du temps pour venir par bateau. 3-4 mois, il me semble, quand elle est arrivée. Elle n'était plus le daily puisqu'il y avait la Mini Cooper à côté pour aller avec. Du coup, elle n'était pas tout le temps utilisée. Mais par contre, elle a fait de très longs trajets. Par exemple, Toulouse-Bourgogne-Franche-Comté, 2 fois. Ce qui fait 2 fois mes 600 km. Elle a fait plusieurs voyages en Allemagne, 2 voyages en Allemagne, de environ 1500 km chacun. Et ensuite, des voyages dans les près de la Suisse, etc. Donc, ça s'accumule assez vite. Par contre, ça reste relativement peu d'avoir 92 000 km sur la voiture, puisque en Europe, c'est presque impossible de trouver un X5 de cette année-là. Elle est de 2014, qui a un kilométrage inférieur à 100 000. En plus, cet exemplaire a été plutôt bien gardé. La couleur est impeccable. Pas vraiment de rayures. Ensuite, elle est protégée par un céramique, même si on ne sait pas c'est un céramique qui vient d'où. C'est les anciens propriétaires qui l'avaient fait, mais on voit bien que ça déperle encore pas mal. C'est possible qu'elle fasse un céramique à nouveau chez un professionnel, on verra. Ensuite, il y a les jantes qui avaient été refaites, mais bon, depuis là, ça va faire un an, elles se sont encore abîmées. Donc, c'est sûr que les jantes, ça devra repasser au défraisage pour enlever encore quelques millimètres, histoire que ce soit tout neuf. Ensuite, il y a des garnitures à l'intérieur aussi qui ont besoin d'être revues. Par exemple, sur les X5, vous avez la poignée de porte ici. Elle a tendance, vu que c'est un sorte de matériau doux, mais qui est biodégradable et qui s'abîme avec le temps. Du coup, vous êtes obligé de le changer. Donc là, c'est la porte avant droite qui va être changée. La pièce a déjà été commandée, on l'attend. Il y a tout le tour là qui doit être repeint. Parce que c'est le Halo Shadowline, mais avec le soleil, il n'a pas super bien tenu. Et du coup, on réfléchissait récemment pour la changer pour une voiture plus récente. J'avais notamment testé un X3 dans ma dernière vidéo. Mais il se trouve que ces voitures ne sont pas tout à fait équivalentes en termes de tenue de route, etc., de confort. Et on a quand même un beau modèle. Donc, c'est vraiment dur de trouver une voiture qui va remplacer. Peut-être pour la remplacer, il faudrait passer plutôt du côté de chez BMW M avec des produits intéressants comme les M3, F80 qui sont désormais à des prix également abordable, peut-être ce type de voiture, mais après il faut vous dire qu'elles sont aussi moins pratiques, puisque la X5 est super pratique quand on a des bagages à mettre. Il faut pas oublier qu'en termes de sportive, on a quand même la Z4 qui peut nous servir, donc pas non plus besoin de l'échanger contre une sportive, mais bon. Voilà pour l'update. Donc a priori la voiture va rester avec nous encore un peu de temps. Longtemps, j'espère. Moi, c'est un véhicule que j'aimerais bien garder, même échanger ma série 1 contre celle-ci, puisqu'elle est à mon père. On verra. Et je vous tiendrai au courant encore sur les aventures qu'on va prévoir avec la X5.